gone over some verses a couple of times now. Nous avons vu certains versets plusieurs fois là. Friday night and yesterday. Vendredi soir et hier. We went on a journey through history. Nous avons voyagé dans notre histoire. We were considering history all the way, particularly from Noah. Nous avons regardé l'histoire particulièrement à partir de Noé. When God starts again. Et quand Dieu les recommence. And took that all the way through ancient Israel. Et on l'a retracé jusqu'à l'Israël ancien. The end of ancient Israel. Jusqu'à la fin de l'Israël ancien. Into the Christian dispensation. Jusqu'à la dispensation chrétienne. And what we're discussing. Et ce que nous avons discuté. Really is, does God change? Vraiment, c'est que Dieu, il change. If you want to say he doesn't. Si vous voulez dire qu'il ne change pas. How do you read those passages? Alors à ce moment-là, quelle est notre lecture de tous ces passages? And if you want to take them as they read. Et si vous voulez les prendre tels qu'ils sont écrits. And bring them into today. Et les amener à notre époque. How consistently are you willing to do that? Alors, avec quelle cohérence et consistance vous voulez appliquer cela? And if you don't want to bring them into today, et si vous ne voulez pas les amener ces passages dans notre époque, and follow his instructions just as they said, et suivre les instructions telles qu'elles sont écrites, then what we find ourselves doing, alors ce que nous trouverons à faire, is saying that different dispensations, c'est de dire que dans différentes dispensations, have different instructions. Dans différentes dispensations, il y a différentes instructions. That there is a change. Donc il y a un changement. And if we're in a new dispensation, et quand nous sommes dans une nouvelle dispensation, how do you know what God requires of you? Comment savez-vous ce que Dieu attend de vous? So we went through verses. Nous avons lu différents versets. That spoke of a Jew versus a Gentile. Qui parle de Juifs en comparaison à des gentils. And how they were treated in ancient Israel. Et comment ces gentils étaient traités dans l'Israël ancien. We went through Deuteronomy. Nous avons parcouru Deutéronome. 2 Samuel. 2 Samuel. All through the Old Testament. Tout le long de l'Ancien Testament. And if you're a good Pharisee, et si vous êtes un bon pharisien, in the New Testament, dans le Nouveau Testament, what's your attitude towards those who don't have an Israelite passport? Quelle est donc votre attitude envers ceux qui ne possèdent pas un passeport israélien? On se sépare d'eux. Separate. On se sépare. Qu'est-ce qui parle? Sister Renilde? Vous avez become a slave. They can become a slave. Ils peuvent devenir esclaves. At the very least, they do not have the same rights. Vraiment là, mais au minimum, mais ils n'ont pas les mêmes droits. Israel is here. L'Israël est là. Everyone else is beneath them. Et tous les autres sont en dessous d'eux. So when you come to the Pharisees, lorsqu'on arrive aux pharisiens, I think we could have some sympathy for their worldview. Et je pense qu'on peut avoir une sympathie pour leur vue du monde. So much so. So much sympathy. Autant de sympathie. Perhaps we could understand. Peut-être que nous pouvons comprendre. When they came to Jesus. Lorsqu'ils viennent à Jésus. What accusation did they make? Quelle accusation qu'ils font? Ils disent que Jésus brise la loi. Why are they saying that? Pourquoi disent-ils que Jésus transgresse la loi? Sister Melissa, if we can raise our hands, if I can. Melissa, est-ce que tu peux nous dire? Parle fort, s'il te plaît. Qu'ils n'avaient pas le droit d'être avec les, ils n'avaient pas le droit d'être avec les étrangers. Parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être avec les esclaves. Ils n'avaient pas le droit d'être avec les étrangers. Ils n'avaient pas le droit d'être avec les étrangers. Because it was not, they are not allowed to be with foreigners. And to come home. And les foreigners, ils peuvent pas rentrer chez eux. And the foreigner cannot go to their home. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Pardon? Regarding women also? In what way? Dans quelle façon? Okay.
J'entends pas. So regarding the Samaritan woman. We have the Samaritan woman. On a la femme samaritaine. Sister Agnes. Agnes. I didn't hear the question. The Pharisees. Les pharisiens. In Christ's time. À l'époque de Christ. What accusation are they making against Jesus? Quelle accusation les pharisiens portaient contre Jésus? Qui était déjà établi. He was doing against the practical and the laws that was already established. And what are those laws? Et quelles étaient donc ces lois? What are they thinking? Quelle était leur pensée? De se tenir avec. On peut pas se tenir avec les mauvaises personnes, de mauvais gens. We cannot stand with bad people. We're separate. On est séparés. We're special. On est spéciaux. We have, sorry. What we are saying is true. What we have rights that they don't have. Ils ont des droits que eux ne possèdent pas. We're this distinct, special nation. Nous sommes une nation distincte et spéciale. We have a class system. On a un système de classe. Why are you allowing Mary to sit at your feet and learn? On doit être assis à vos pieds et apprendre. Pourquoi tu permets à Marie de s'asseoir à tes pieds et d'apprendre? Merci. That's not a position for a woman. Ce n'est pas la place d'une femme. They have all of this thinking. Ils ont toutes ces pensées. It's a major blockage in their mind. Et c'est un frein majeur dans leur esprit. So they, what do they keep trying to do? Et qu'est-ce qu'ils essayent sans cesse de faire? Pardon? To trap Jesus? J'ai pas entendu un mot. To make him silent. They're trying to trap him. Ils essayent de piéger Jésus. How are they doing that? Mais comment ils le font? Through the word. Through the word. Par la parole. Sister Sylvia. Sylvia. By confronting him with the law. How do they do that? Comment ils font ça? They remind him what is written in the law. Il lui rappelle ce qui est écrit dans la loi. Based upon his behavior, par rapport à son comportement. So they're going to bring him all of these quotes. Donc ils vont lui présenter toutes ces citations. These verses. Ou ces versets. And they're hoping. Et ils espèrent. He's going to say something. Qu'il dirait quelque chose. That is contradicts them. Qui les contredit. Because they can see in his life. Parce qu'ils peuvent voir que dans sa vie. Hein, his life is seemingly in total contradiction. Parce que sa vie semble être en totale contradiction. To the law of Moses. À la loi de Moïse. Both in his attitude. À la fois dans son attitude. His behavior or worldview. Dans son comportement ou dans sa vision du monde. Also in his teaching. Mais également dans son enseignement. Brother Vadim. Vadim. Tu as levé la main. Yeah, he wanted to see whether the application of Jesus on the verses is different from their application. Alors, they wanted to see, you said? Si l'application que Jésus fait des versets est différente de la leur. Il voulait voir si l'application de Jésus des versets était différente de la leur. Also, he was from a poor family. Jésus vient d'une famille pauvre de Nazareth dont il le traitait comme on va dire à moins que rien quoi. He doesn't just come from a poor area. Non seulement il vient d'une région pauvre. He comes from one with a very bad reputation. Il vient aussi d'une région qui avait très mauvaise réputation. They have drilled into their minds. Et ils avaient vraiment ancré dans leur pensée. Through generations. À travers plusieurs générations. If you break the law. Que si vous brisez la loi. There's judgment.
Il y aura donc un jugement. So can, how can something good alors comment quelque chose de bien come from this area? Vient peut venir de cette région. They're the ones that have finally, after all these generations, forced the keeping of the law. Ils sont ceux de cette génération finale qui cherche à garder la loi. And wouldn't their history et leur histoire their history of idolatry leur histoire de l'idolâtrie tell them that these Pharisees finally have it figured out. Leur montre que les pharisiens avaient résolu cela. They're going to keep that law. Ils allaient donc garder cette loi. Every little part of it. Au moins toute une partie, une part. Chaque partie de la loi, ils allaient l'observer. So when they see a woman caught in idolatry, alors quand ils voient qu'une femme est attrapée en adultère, and they drag her to Jesus, et qu'ils l'amènent à Jésus, they would say. Il dirait, we know what to do. There's a verse. Nous savons ce qu'il faut faire parce que nous avons le verset. And what does Jesus say? Et qu'est-ce que Jésus répond? I'm not going to do that. Je ne vais pas faire cela. What right have you got to do that? Et quel droit avez-vous pour faire cela? Who do you think you are? Qui pensez-vous être? He won't do it. Il ne le ferait pas. And that's not a one-off situation. Et ce n'est pas une seule situation. Because through his whole ministry, parce que durant tout son ministère, they're trying to trap him. Ils ont tenté de le piéger. In different situations, dans différentes situations, different verbal arguments. Et ils ont eu des discussions orales. Ils ont eu plusieurs discussions orales. And he's constantly having to find his way out of them. Et il s'est toujours trouvé à l'écart d'eux. So we drew up our verses. Nous avons donc dessiné nos versets. The first two columns were related. Alors, the two first columns was were related. Les deux premières colonnes étaient en lien. How they treated Jew and Gentile. C'était la façon dont ils traitaient les Juifs et les Gentils. And we found that by the time we came to the New Testament. Et quand on arrive au Nouveau Testament. There's no difference between a Jew and a Gentile. Il n'y a plus de différence entre le Juif et le Gentil. And it takes the Jews a long time to become comfortable with that. Et cela a demandé beaucoup de temps aux Juifs pour être à l'aise avec cela. Because they don't like that concept. Parce qu'ils n'aimaient pas ce concept. It's so ingrained in their minds. Et c'était si enraciné dans leurs pensées. That they have a special role and a special right. Qu'ils avaient des droits et des rôles spéciaux. Based on their passport. Basés sur leur passeport. Based on their parents, basé sur leurs parents, and their grandparents, et leurs grands-parents, and it takes a lot of effort, et cela a demandé beaucoup d'efforts, to get that thinking out of them, pour ôter cette pensée d'eux, even out of the disciples, même pour les disciples, even they have that thinking, parce que eux aussi possédaient cette même mentalité. So by the time you go from the beginning of ancient Israel, alors au moment où on va au commencement de l'ancien Israël. To the end of ancient Israel. Jusqu'à la fin de l'Israël ancien. You go from the time of Moses. On va à l'époque de Moïse. To the time of Christ. Jusqu'à l'époque de Christ. And when I say the time of Christ. Et quand je dis l'époque de Christ. Not just the history when he's on earth. Et ce n'est pas que l'histoire quand il est sur terre. The message goes to the church twice and then the Gentiles. Le message vient à l'église et ensuite aux gentils. Three groups. Donc which three groups? The church. Two church gentiles. Ah, les deux églises puis les gentils, donc trois plus les gentils, trois groupes. So in this history, dans cette histoire, how much of this are they breaking? Combien de choses qu'ils brisent de là? In this history, dans cette histoire, the attacks made, les attaques qui sont faites, you're breaking all of this. En fin de compte, vous brisez, vous transgressez tout ce qui est dit dans la première histoire. And if they're going to attack Christ with that, et si ils sont sur le point d'attaquer Christ avec cela, gets much worse after his death. Et là, ça va s'empirer après sa mort. Now they're doing what? Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Because you're going from circumcision, parce que là, on passe de la circoncision. To baptism. Au baptême. Here. Ici. Only Jews. Seulement les Juifs. Only males. Seulement les hommes.
Come over here. Et si on arrive là, baptism. C'est le baptême. Male and female. Hommes et femmes. Now women are going into covenant. Maintenant, les femmes aussi entrent en alliance. And all of a sudden, et tout est soudainement. Everyone's equal. Tout le monde est égaux. And everyone's going into covenant. Et tout le monde entre dans l'alliance. Distinction between Jew and Gentile. La distinction entre les Juifs et les Gentils. No distinction. Et là, il n'y a aucune distinction. Anything else? Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Pardon? Sacerdoce? Priest? Priesthood? The priesthood? La prêtrise? What changes about the priesthood? Qu'est-ce qui change par rapport à la prêtrise? Gender? Are there any female priests in Christ's history? Est-ce que dans l'histoire de Christ, il y a des femmes prêtres? So non. Does that change? Non. Why doesn't it change here? Pourquoi ça ne change pas là, au fait? Il n'y a plus de sacrifice. There's no sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice. So you have the sanctuary system. Donc là, on a le système du sanctuaire. That's ended. Là, ça, il n'y a plus, ça c'est fini. It's fulfilled. C'est accompli. So if you want to be a Jew, donc si vous voulez être juif, stay in that mindset, restez dans cet état d'esprit, the problem they're going to have, le problème qu'ils vont faire face, but God says he never changes. C'est que Dieu dit qu'il ne change pas. If you see the structure of society in the time of Moses, et si vous voyez la structure de la société à l'époque de Moïse, to the time of Christ, jusqu'à l'époque de Christ, and if you understand, si vous comprenez, that the Pharisees, after all of their idolatry and captivity, que les pharisiens, après toute leur idolâtrie et captivité, have finally formed this strong conservative society, ont formé mais en final, donc cette société forte conservatrice, that's keeping the law, qui garde la loi, and telling other people they have to keep it, et disant aux autres qu'ils doivent observer la loi, I think we can have sympathy for them. Je pense qu'on peut avoir de la sympathie pour Sister Isaline. I wanted to say that in the Christ story, we can see that we can. So on voit que dans l'histoire de Christ, les femmes peuvent avoir accès à Christ, lui parler, le prier, alors qu'avant non, elles pensent. You can see in their mentality. On peut voir leur mentalité. That Christ is breaking down barriers. Que Christ est en train de renverser les barrières. When the women come to him with their children. Quand les femmes viennent avec leurs enfants. And the mentality of the disciples. Et la mentalité des disciples. All 12 of them. Tous les 12. Christ doesn't have time for you. He's on an important mission. C'est Christ n'a pas de temps pour vous. Il est dans une mission importante. So whether it's Gentiles or women, que ce soit les gentils ou les femmes, Christ is having to reform the thinking of the disciples. Christ devait remodeler la mentalité des disciples. Whether it's women or other nations, qu'il s'agisse des femmes ou d'autres nations, they have all that thinking of the Pharisees built on the Old Testament. Ils avaient tout cet état d'esprit et de pensée des pharisiens qui était basé sur l'Ancien Testament. That we are here and you are here. Que nous sommes là, à cette position, vous êtes en dessous. There's a distinction. Qu'il y a une distinction. If we were to draw a reform line, si nous fallait donc tirer une ligne de réforme, not trying to do our structured reform line with five waymarks. Je n'essaye pas de faire une ligne de réforme structurée avec nos 5 balises. But if we were to consider it as a line of progression. Mais si on pouvait la considérer comme une ligne de progression. Different way of imagining the same concept. Alors d'une façon différente pour imaginer la même idée. You could start it. On aurait pu la commencer. The Garden of Eden. Avec au jardin d'Eden. And from beginning. Et la fin, le commencement, how's it going to end? Ça va se terminer quand, où? À Garden of Eden. And then within this history, et quand nous voyons cette histoire, you have dispensation after dispensation. Dans cette histoire, il y a plusieurs dispensations. So you could go to this history, on peut aller dans cette histoire, and say it's Noah. Et dire qu'il s'agit de Noé. And Noah puts in place. Et Noé a mis en place. Slavery. L'esclavage. ISCL.
S-L-A-V-A-G-E. So you have slavery coming in the time of Noah. Il y a l'esclavage qui est introduit à l'époque de Noé. Then you have another dispensation. Ensuite, nous avons une autre dispensation. Abraham. Abraham. And his economy. Et son économie. Is built on slavery. Est aussi basée sur l'esclavage. So dispensation after dispensation. Une dispensation après l'autre. You come down to Leviticus 25. Là, on arrive maintenant dans Lévitique 25. And now God is putting slavery. Et maintenant Dieu met l'esclavage. He's making a distinction between different races. Et là, Dieu fait une distinction entre différentes races. And he's putting that distinction. Et il met cette distinction in their law. Dans leur loi. To be enforced. Afin que ce soit imposé. So if we make a just consider. Si on considère juste. This is the history. Il s'agit de l'histoire. Of ancient Israel. D'Israël ancien. We could call it. Nous aurons pu l'appeler. The history of the glorious land. L'histoire du pays glorieux. You have slavery. Et dans cette histoire, nous avons l'esclavage. You have distinction. Nous avons la distinction. Between Jew. Entre les Juifs. And Gentiles. Et les Gentils. You have a system of worship set up. Vous avez un système d'adoration mis en place. That makes a distinction. Qui crée cette distinction. Between male. Entre les hommes, H. And F, female. Non, F and. Oui, F. M, non, H and F for woman. For female, yeah. Between male and female. Entre les hommes et les femmes. What can a male do that a woman can't do? Qu'est-ce qu'un homme peut faire et qu'est-ce qu'une femme ne peut pas faire? Devenir un prêtre. Pardon? Le service du sanctuaire. Be circumcised. Talk in public. Talk in public? Parler en public? No, I'm making a question. Je pose une question, c'est Natacha. Talk in public. Parler en public? So she can speak in public, but not in the congregation with all the men. She cannot. Okay. I questioned that because of Deborah. J'ai mis en cela en doute par rapport à Deborah. You have strong women in that history. Dans cette histoire, nous avons des femmes fortes. Don't care about the norms of society. Et les normes de la société ne leur importent peu. She goes into battle. Parce qu'elle va en bataille. So in this history, dans cette histoire, we can place. Nous pouvons mettre. Covenant. L'alliance, A-double-L. I-A-N-C-E, yeah. Just divided. Divisé. Between male and female. Homme et femme. Divisé. On peut placer l'alliance dans cette histoire qui est divisée entre les hommes et les femmes. And then you have the priesthood. Puis nous avons la prêtrise. P-R-I. Non, il y a P-R-I-T-R-I-S-E. Prêtrise. Yeah. Priesthood. On a la prêtrise. Divided between male and female. Qui est divisée entre les femmes et les hommes. It's also divided. Et c'est également divisé. By race. Par la race. You have to have a bloodline. Il vous faut avoir une lignée de sang. If you don't have a bloodline that says Israelite. Et si vous n'avez pas cette lignée qui dit de sang qui dit que vous êtes israélite. And if you don't have a bloodline that says Aaron. Où c'est, what? Aaron. Et si vous n'avez pas une lignée de sang qui dit Aaron, you also can't serve in the sanctuary. Vous ne pouvez pas officier dans le sanctuaire. Priest or Levite. Prêtre ou lévite. So you come down to Solomon. Donc là, quand on arrive à Salomon, and he's implementing, et qu'il le met en place, exactly what God told him to. Exactement ce que Dieu lui demande de faire. And all the nations that hadn't been killed. Et toutes les nations qui ont été tuées are slaves. Sont toutes les nations qui n'ont pas été tuées sont esclaves. Then you come down to the time of Christ. Ensuite, nous arrivons à l'époque de Christ. You have the whole book of Philemon. Et là, on a tout le livre de Philémon. So what changes in the
history of Christ. Alors, qu'est-ce qui change dans l'histoire de Christ? Il n'y a plus de distinction. Brother Eric. Eric. Les femmes peuvent entrer dans la liste. A woman can come into a covenant. So you have the institution. On a l'institution. Of baptism. Du baptême. B-A-P. B-A-P-T-E-M-E. On a l'institution du baptême. Now with baptism, maintenant avec le baptême, there's no distinction, il n'y a plus de distinction between male and female. Entre les hommes et les femmes. What else changes? Qu'est-ce qui change d'autre? Les Juifs et les Gentils. Jew and Gentile. Les Juifs et les Gentils. So both come into covenant. Les deux peuvent entrer dans l'alliance. Brother Christian. Christian. Il y a aussi Jésus ne vient pas de Aaron. Jesus is not coming from Aaron. Aaron. So you have a priesthood. On a une prêtrise. After the order of Melchizedek. Selon l'ordre de Melchisedec. So now you have Jew and Gentile. Maintenant on a Juif et Gentil. Your passport ceases to exist. It doesn't matter. Votre passeport n'existe plus. Il n'y a plus d'importance. Do we have anything else to add to this history? Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter dans cette histoire? Est-ce qu'on peut avoir des versets bibliques pour le baptême? Can we have some Bible verse for the baptism? What about the baptism? Quoi au sujet du baptême? That Bible verse says that women and the men can be baptized. What makes you think women weren't? Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait penser que les femmes ne pouvaient pas? En fait, il n'y a rien, mais je ne me suis jamais posé la question. There is nothing, but she never asked herself the question. We will look at it after. Brother On va regarder après. Je crois qu'il y a une femme qui s'appelle Lydie qui a été baptisée. In Matthew, Mark, Luke and John. Dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. It just says all the people. Il est fait mention de tout le monde. So it continues to say all. Donc là, on continue, on dit tout. I think you have to go to other passages that show that it's men and women. Et je pense qu'il faut aller dans d'autres textes qui montrent qu'il s'agit des hommes et des femmes. In those books, it just says all the people. Dans ces évangiles, il est dit seulement tout le monde. And at that beginning stage, et à ce début là, it wasn't Jew and Gentile. Ce n'était pas les Juifs et les Gentils. It took them a little while to implement that part. Ça a pris un peu de temps pour mettre en place cette place. But at Philemon, Acte 16, verse 15. Lydia is baptized. Il y a une femme qui s'est fait baptiser là. 16:15. Acte 16:15. Thank you. Merci. So you come to Philemon. On arrive à Philemon. You still have the institution. On a toujours l'institution. Of slavery. De l'esclavage. And we made the point. Et on a fait le point. You have a big book. Nous avons donc un gros livre. A lot of history. Beaucoup d'histoire. It only takes one sentence. Et ça prend seulement une phrase. Where God has to say. Quand Dieu doit dire. Slavery is wrong. Que l'esclavage est faux et n'est pas bon. There would have been no need for a civil war in America. Et là, il y aurait eu donc aucun besoin d'avoir une guerre civile aux États-Unis. Brother Eric. Eric. Au verset 12, mais c'est aussi d'acte 8, c'est homme et femme se faire baptiser. Acte 16, il a dit par Mendeur. Ah non. Toi, t'es quoi? Acte 8? Je crois que c'est le verset 16 qu'il a dit. C'est acte 8, 12. Ok, acte 8, 12, second verse for a woman and a man to be baptized. 8, 12. So we go through the history of the Old Testament. Donc on est en train de parcourir l'histoire de l'Ancien Testament. And here we've gone to the New. Et là maintenant nous sommes arrivés au Nouveau Testament. Then we have the 1260. Puis nous avons les 1260. We come down to 1798. Et on arrive là en 1798. We're in a new dispensation. Et là nous sommes dans une nouvelle dispensation. That of the Millerites. Celle des Millerites. Over here, I'll place ours. So
So in Ellen White's dispensation, dans la dispensation d'Ellen White, what changes? Qu'est-ce qui change? Slavery. So this is the old glorious land. Voici l'ancien pays glorieux. This is the Alpha. Voici l'alpha du pays glorieux. And the Omega. Et voici l'oméga du pays glorieux. You come to here. Quand nous arrivons là, and you have America, et que nous avons les États-Unis, particularly the Southern States, et particulièrement les États du Sud, more and more making the argument, qui de plus en plus présente l'argument. Let me remind you, laissez-moi vous rappeler, when we talk about the Southern versus the Northern States and slavery, quand on parle donc de l'État du Sud par rapport à l'esclavage, we're talking about two streams of information. Nous parlons là de deux sources d'information. And one stream, et un courant, is saying no slavery. Déclare qu'il n'y a pas d'esclavage. That's the Northern States. Et ça, c'est les États du Nord. The Southern States, et les États du Sud, are saying if you want to hold to that position, qui dit, leur dit si vous voulez tenir cette position, you have to give up Christianity and your Bible. Il vous faut donc abandonner le christianisme et votre Bible. Because the Southern States, parce que les États du Sud, want to cut the line, veulent couper la ligne. They're going to take all of this history, ils vont prendre toute cette histoire, bring it into their own, et donc l'emmener dans leur histoire. And say based on scripture, et disent basé sur les écritures, a big book, un gros livre, all its passages, tous ses passages, you cannot argue against slavery, ne peuvent pas aller à l'encontre de l'esclavage. And how right are they? Et est-ce qu'ils sont bons ces passages? Est-ce qu'ils sont corrects? Their argument is correct. Leur argument est correct. Because they just want to take this history, parce qu'ils veulent juste prendre cette histoire-là, overlay it, et la superposer, and drop down all of God's requirements, et montrer toutes les exigences de Dieu. And I would argue, et moi je vais dire, there's two sides in today's history, qu'il y a deux côtés dans l'histoire d'aujourd'hui. And they're arguing the same thing. Et ils disent la même chose. Those supporting Donald Trump, ceux qui soutiennent Donald Trump, have the same opinion, ont la même opinion, on what two issues? Sur deux problèmes, c'est quoi? Race. La race. And gender. Le genre. So if they're wrong about race, donc si ils ont tort sur le genre, what else are they wrong about? Alors s'ils ont tort sur la race, sur quoi d'autre ont-ils tort? Gender. Sur le genre. And they're doing the same thing as the Southern States. Et ils font la même chose que les États du Sud. They're going to take the passages. Ils vont prendre donc les textes. Take the history. Ils vont prendre les histoires. Bring it into our own. Et ils vont les appliquer dans la nôtre. They're going to say. Et ils diront. Clinton. Clinton. Trump. Trump. Woman. Une femme. Man. Un homme. She's white. Elle est blanche. But before her, mais avant elle, came Obama. Est venu Obama. Their thinking hasn't changed from here. Leur pensée n'a pas changé par rapport à là. Ellen White says. Et Ellen White dit. The mentality behind slavery. La mentalité qui couvre l'esclavage. Is not going away. N'est pas partie. Just because it was abolished. C'est pas parce que cela a été aboli que elle est partie cette mentalité. And it didn't. Et it didn't. Et ça n'a pas été le cas. It's still there today. Cette mentalité est encore aujourd'hui en valable. And their mentality. Et leur mentalité. Is the same as the South. Est la même que celle du Sud. Those opposed to Clinton and Obama. Qui s'oppose à Clinton et Obama. The same as the South. La même que celle du Sud. Because they have all the Bible passages. Parce que elle est tirée de tous ces passages bibliques. So if we want to be on the right side in our history. Donc dans notre histoire, si on veut être du bon côté. In our dispensation. Dans notre dispensation. We need to know how to read them. Il nous faut savoir comment lire ces passages. So. Donc. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Is she capable of being the leader of the free world? Est-elle capable d'être un dirigeant du monde libre? But she's a woman. Mais c'est une femme. She has different hormones. Elle a différentes hormones. She's emotional. Elle est émotionnelle. No one here wants to argue that. Personne ne veut ici débattre sur ça? Non.
So when we come to the movement, donc quand on arrive au mouvement maintenant, you're all happy to say that externally. Vous êtes d'accord pour dire cela de façon externe. No difference between man and woman. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. In government. Pour le gouvernement. Be careful the argument you make. Maintenant, soyez prudent par rapport au point que vous allez faire. No difference. Il n'y a aucune différence. No difference. Il n'y a aucune différence between Adam and Eve. Pour Adam et Ève. At the beginning, no. Today. Aujourd'hui. Pardon? Yes, there is a difference. A man is not a woman. In what way? Dans quel sens? What's the differences? Quelles sont les différences? Physiologically. What do you mean by physiologically? Qu'est-ce que tu veux dire dans physiologique? Sister Michelle. Michelle. Ben, tu parlais d'hormones, tu parlais de... You are talking about hormones. So emotions. Hormonal differences. Les hormones sont différentes. So we're going to say hormones. On va dire les hormones. One has testosterone. Certains ont les testotérone. Oui, ben, j'ai compris. One has estrogen. Et l'autre a des estrogènes. Different quantities. Différentes quantités. Depending on the person. Tout dépend de la personne. Anything else? Quoi d'autre? Hein? La physique. J'entends rien. La strength, physical strength. I'm weaker than I used to be. Je suis plus faible que je l'étais. I've beaten a few boys up. Mais j'ai vraiment battu certains hommes. I didn't know the meaning of the word no. Parce que ils didn't know the meaning of. When you meet a boy. Quand vous rencontrez un garçon. And you say no. Et que vous lui dites non. And he doesn't know the meaning of the word. Et il connaît pas la signification du mot non. You beat him up. Vous le battez. And believe it or not, I've been able to do that. Et que vous le croyez ou non, j'étais en mesure de faire cela. Many women have. Et beaucoup de femmes peuvent. So we can make a generalization. Donc on peut faire une généralité. And say small muscles. Des faibles muscles. FA. Petit muscle. Petit, ok, c'est petit. P-E-T-I-T. What does that mean? Petit. And? No, E. Petit muscle. Not muscle. Just say bigger. Okay. Un grand. G-R-A-N-D. A-N-D. So donc on dit petit et grand. Oui, smaller. Petit. Bigger. Et grand. Plus petit, plus grand. What difference does that make when you're running a country? Et quelle différence cela fait-il quand vous dirigez un pays? None. Okay. Aucun. Aucune. Non, aucune différence. No difference. So, alors, une femme réfléchit et pense. Ok, a woman think differently than a man. In what way? De quelle façon? What do you mean? You said we think differently. Tu as dit que nous pensons différemment. I want you to tell me how we think differently. Et je voudrais que tu me dises comment nous pensons différemment. Tu veux dire notre vue? Our vision. We can do a lot of things at the same time. S'il vous plaît. That's a nice conspiracy theory. Donc là, c'est une très belle théorie de conspiration. We like repeating. Que nous aimons répéter. I'm not sure it's true. Je ne suis pas sûre que ce soit vrai. You show me a scientific evidence for that. Est-ce que tu peux me montrer une preuve scientifique pour cela? Il y a un sens organisationnel qui est différent. So the woman is really practical. She has a sense of a high sense of organization. Have you seen some women's bedrooms? Est-ce que vous avez déjà vu les chambres de certaines femmes? They're messy. Elles sont en désordre. Some men's cars. Pardon? Some men's cars.
Et aussi les voitures de certains hommes. How clean they are. Comment sont-elles, quelle est la propreté de leurs voitures? It's another nice conspiracy theory. Et là aussi, c'est une autre conspiration, théorie de conspiration. Brother Oscar, I want real facts, not Moi, je veux vraiment des faits réels. Brother Oscar. Alors, attendez, s'il vous plaît. Juste une personne qui parle, parce que moi, je ne peux pas traduire. Oscar. D'un point de vue de la psychologie, à pas mal d'égards, les femmes et les hommes fonctionnent de la même manière. So, physiologically... Psychologically, women and men can think at the same way. Ils fonctionnent de la même manière. They operate in the same way. Mais il y a quelques... But we find a few differences. Et la plupart des différences concernent la sexualité. And many of the differences are based upon sexuality. Mais il y a aussi quelques petites différences concernant la concentration sur la focalisation sur une tâche. But there is also some few minor difference on the focalization of one duty. Il y a toujours des exceptions, mais en général, les femmes, il y a toujours des exceptions. So there are always exceptions, but generally women. Les femmes, ils ont une vue plus large quand il y a des tâches à faire. So the woman has a larger view when there are duties to do. Les hommes, ils ont beaucoup plus tendance à se focaliser sur une tâche centrale. And the men have the tendency to focus upon one main task. I'm going to stop you there. Je vais t'arrêter là. I've worked in many kitchens. J'ai travaillé dans plusieurs cuisines. When you go into a kitchen, et quand tu vas dans une cuisine, one of the biggest challenges, le plus grand challenge, c'est is to create a dish. C'est de préparer un repas. Can have 10 different elements. Avec 10 éléments différents. And every one of them et chacun de ces éléments has to be prepared perfectly, doivent être préparés parfaitement, plated hot, avec des assiettes chaudes, at the right point in time, au bon moment, that it all goes out, et tous on les sert, to the customer, au client, right when they need it, au moment où il en a besoin. One of the biggest challenges in a kitchen et l'un des plus grands défis au sein d'une cuisine is that you have to keep all of these elements in your head at once. C'est que tu dois garder tous ces éléments en une seule fois dans ta tête. That's why it breaks people. It's tiring. Et c'est pour ça que ça brise les gens parce que c'est très fatigant. So if I'm going to prepare a meal for a table, si je dois préparer un repas pour une table, they order 5 different dishes from the menu. Donc ils ont commandé 5 plats différents pour le menu. And those 5 dishes, et dans ces 5 plats, each have 4 different elements, chacun possède 4 éléments différents, that need heating, cooking or preparing, qui doit être chauffé, préparé, chauffé, préparé. You have 20 different things in your mind. Et vous avez 20 choses différentes dans votre esprit. That whole table wants their meal at once. Parce que toute la table veut tout le repas en une seule fois. You're doing it on your own. Et vous le faites tout seul. That's 20 things in your mind. C'est 20 choses dans votre esprit. And then, et ensuite, you're the only one in the kitchen. Vous êtes seul dans la cuisine. You have people working under you. Et vous avez des personnes qui travaillent sous vos ordres. Doing different tasks. Qui font différentes tâches. You're organizing their work. Et vous organisez en même temps leur travail. You're organizing the work out the front. Vous organisez le travail au devant. And every time you run out of an ingredient, et à chaque fois où vous n'avez plus d'ingrédients, that needs ordering, il faut qu'il soit placé en commande, or cooking the next day, ou qu'il doit être préparé le jour d'après, you're writing lists. Vous faites une liste. You can easily vous pouvez facilement be holding 30 different things at in your head at the same time. Contempler plusieurs choses dans votre tête en même temps. Takes a great deal of coordination to do that well. Et cela demande vraiment une grande capacité de coordination pour bien le faire. If you look at restaurants today, et si vous regardez au restaurant de nos jours, you see the top chefs, vous voyez que le chef, it's been a male industry. C'est une industrie masculine. For many decades. Pendant plusieurs décennies. It's a male environment. C'est un environnement masculin. Women come in and can do it just as well. Les femmes peuvent venir et le faire aussi bien. You work in a kitchen, there's no difference. Parce que l'œuvre dans la cuisine n'a aucune différence. And it requires. Et il exige.
Very good coordination. Une bonne coordination. Focusing on many tasks at the same time. Pouvoir se focaliser sur plusieurs tâches en une seule fois. Think if you were to go to many jobs, you would find the same thing. Et je pense que si vous allez dans plusieurs types de travail, vous verrez la so même if chose. We're going to go to differences that way. Donc si on regarde les différences de cette façon. It may be because we know a few people like that. Peut-être que nous connaissons que très peu de personnes comme cela. But I think they're conspiracy theories. Mais je pense que pour moi, il s'agit des théories de conspiration. Brother Aaron. Aaron. Even if it were true. Et même si c'était vrai. That you can do 10 things and I can do one thing at a time. Que tu peux faire 10 choses en même temps et moi qu'une seule. That would mean that you're superior to me. Cela veut dire que tu serais supérieur à moi. Il ne veut pas dire ce qu'il a dit. That doesn't mean or that mean? If Tess can do 10 things at once, yes. And I can do one thing at yeah. Yeah. Then she is superior to yeah. me. Yeah, c'est ce que j'ai dit. Mm-hmm. This is what I said. If he can say, s'il peut faire 10 choses, si elle peut faire 10 choses et lui une seule chose, elle est supérieure à lui. Brother Chris, non, ce n'est pas une question. Oui. C'est un fait. Attends, je n'ai pas entendu. Reprends. La femme enfant, il l'ose pas. La femme enfant. Ah, the woman can make her children not a man. Okay. Okay. So we have a difference. Là, nous avons une différence. One has some organs. Certains des organes, the same. Organ with an E at the end. Someone else. D'autres. Has different organs. On a différents. These ones. Ceux-là. Create children. Créent des enfants. These ones create children in a different way. Et celui-là aussi a créé des enfants, mais d'une façon différente. The woman that gives birth. C'est la femme qui donne la naissance. Brother Oscar. Je voudrais finir l'idée. You want to finish his idea. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne concerne pas les tâches multiples. So what I said before, it was not multitask. Ça concerne exactement ce que vous venez de dire. This is in link, it's in direct link with what you just said. Le fait que la femme conçoit les enfants et puis il les aide à se développer dans les premiers années de vie. So the fact that the woman give birth and help the children to develop in his fait justement qu'il soit beaucoup plus à l'aise à réaliser et à organiser des tâches complexes. That's why the woman is more comfortable to fulfill multitask and complexity. Bien évidemment, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent faire la même chose. Set me back through that. Donc on va retourner à ça. A woman gives birth. Une femme donne naissance. Then you've gone straight back to that argument. Et après on retourne directement à ce point. That just because she gives birth. C'est pas parce qu'elle a donné naissance. She can multitask. Qu'elle peut faire plusieurs choses. I want to know how you make that jump. Et je veux savoir comment tu sautes, tu fais ce pas. En fait, l'idée, ce que je veux dire par là, c'est que les femmes, par leur style de vie, leur mode de vie. The woman, based upon their lifestyle, their environment, ils sont le plus souvent amenés à développer cette capacité de réaliser plusieurs tâches. So they are more inclined to develop this kind of things to do multitask. So what you're saying? Mais cela n'est pas basé sur une différence physiologique du cerveau, mais du style de vie. But it's not based upon the difference of the brains, physiological brain, but style of life. Et c'est pour cela qu'il y a des hommes qui peuvent développer les mêmes capacités. And that's why there are men who can develop the same capacities. Donc, en fin de compte, la différence elle est établie par la société et notre mode de vie. So the difference is established through the society and our lifestyle. So that's something that can change. C'est quelque chose qui peut changer. That means no difference between men and women. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. What differences? Alors quelles sont les différences? Any others? Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas si c'est prouvé ou pas, mais émotionnellement. Alors I don't know if this is proved or not, but emotionally. Une femme est plus sensible qu'un homme. A woman is more sensible than a man, generally. Elle réagit. Sensitive. Elle réagit. Au
moi, elle réagit plus émotionnellement qu'un homme. So a woman will react more sensitively than a man. So we're saying there's an emotional difference. Donc tu dis qu'il y a une réponse émotionnelle différente. One can be more sensitive. Une peut être plus sensible. What do you mean by sensitive? Qu'est-ce que tu veux dire par sensible? Elle va le manifester. She will manifest avec ses émotions. With her emotion. Alors bien sûr, il y a plusieurs éléments qui rentrent en considération. But also you have several elements that you have to take into consideration. Comme l'éducation, le parcours qu'on a vécu. Okay, the education, our experience in life. Mais il me semble avoir lu que l'homme et la femme ne réagissent pas de la même façon par rapport à leurs émotions. So I read that women and men do not react at the same level based upon their emotion. Les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même façon par rapport à leurs émotions. En summary, c'est ce que Natacha dit. Sister Isaline. Isaline. The main is it not because we put in the mind of the man that they have to be strong, they have to be on. Upon the women, you know, they have to live, like, and this, they try to not show their emotion, but I think they have the same emotion like us, because I know some men which is like, who are sensible. Sensitive. And so I think it's, yeah, we have the same emotion for this reason. Ok, tu peux le dire en français? Je pense que les hommes, ils ont les mêmes émotions que les femmes, parce que j'en connais qui sont sensibles. Après, on dira peut-être que c'est pas tout le monde, enfin pas tous les hommes, mais en fait, je me dis peut-être que dans le raisonnement que la société donne aux hommes, qu'ils doivent toujours paraître les plus forts, ils doivent paraître ceux qui gouverne, qui est sur... Enfin, il a un cran sur la femme, vraiment. Et donc, il me dit... Ils ne manifestent pas leur émotion. Ils ne manifestent pas leur émotion, ils couvrent ça. Vous avez entendu? Ils pensent qu'ils ont parlé que les femmes. So again... De nouveau... It comes to the level of society. Ça vient encore au niveau de la société. Training. L'éducation. Brother Christian. Concernant la sexualité, un homme peut procréer plus longtemps qu'une femme, alors que la femme est son type de fertilité est plus réduite. Ok, j'ai rien compris. Un homme peut procréer plus longtemps? Ok. Alors, comment on dit ça? Un homme peut procréer plus longtemps. Dans le temps, il peut le faire plus longtemps. He has a longer period where he can cause children. Okay. Il y a une période plus longue où il peut faire des enfants par rapport à la femme. Women shut down soon. La femme est limitée? Okay. So. Okay. Sister Melissa. Tu peux parler plus fort, Melissa? Ah, tu peux pas? Enfin, elle a écrit que la femme a l'œstrogène et l'homme n'en a pas, mais l'homme aussi a de l'œstrogène et la femme. Okay, no, it was just a question because you put a woman as estrogen and a woman men not, but both are, but in a limited quantity. Mais ce que Isaline disait. Just to confirm what Isaline was saying. J'avais aussi lu une étude sur les hommes aux États-Unis. I read a study upon men in USA. Et il disait que il y a beaucoup d'hommes qui se suicident parce que justement il y a une pression pour être le masculin, etc. Right. Ils peuvent pas. So there is this study was saying that there are a lot of men commit suicide because they have upon them a lot of pressure because they cannot express their emotion, feelings, yeah? Because they have to be a male, strong male. So I want to make a point about the emotions. Okay, je voudrais mettre un point sur les émotions. People say women have estrogen. Les gens disent que les femmes ont des estrogènes. So they're so emotional. Donc elles sont, c'est pour ça qu'elles sont aussi émotionnelles. What is testosterone? Mais là, c'est quoi pour les hommes?
It's just emotions. C'est des émotions aussi. They say a woman cries. On dit qu'une femme pleure. And that's emotion. Et c'est d'émotion. But when I see a man beat his chest. Mais quand je vois un homme qui frappe sa poitrine. Say I'm strong. Dire ouais moi je suis fort. For me that's emotion. Pour moi c'est des émotions. Pure emotion. Des émotions pures. Pride. L'orgueil. Is emotion. L'orgueil c'est une émotion. And ego is emotion. Et l'ego aussi c'est de l'émotion. Nationalism is an emotion. Le nationalisme c'est une émotion. Trump at a campaign rally is pure emotion. Dans la campagne présidentielle de Trump, c'est purement basé sur l'émotion. But we visualize emotion differently. Mais nous visualisons l'émotion différemment. It's all emotion. Tout cela, c'est de l'émotion. And how it exhibits itself. Et la façon dont cela se manifeste. It's often a product of our society. C'est juste un produit de notre société. Brother Anthony. Anthony, hein? I have a question. J'ai une question. Not a question. It's also what I would say. C'est pas vraiment une question. So, can we say that period the women have them and men doesn't? Because, or do you place it with hormones? Alors, est-ce qu'on peut dire que les règles, les femmes les ont et les hommes ne l'ont pas, ou tu places cela avec les émotions? Les hormones, pardon. So, is that we can add or? Alors, est-ce que c'est un fait qu'on peut ajouter? So what we're coming back to, donc ce vers quoi on va revenir, still the same argument of childbearing. C'est toujours le même argument que le fait de porter des enfants. When you put them together, quand tu mets tout cela ensemble, they can make a baby. Ils peuvent donc faire un bébé. They play different roles in that. Mais ils ont des rôles différents dans cela. Outside of procreation, en dehors de la procréation, what's the difference? Quelle est donc la différence? Yes, brother. De genre, c'est une question d'individu. So it's not there is no difference. It's not an issue of gender. It's a matter of individual. On va même inventer, par exemple, on a inventé un mot spécialement pour les femmes parce qu'elles ont un utérus. So we invent a word especially for women because they have a what? Comment ça s'appelle? Womb. Yeah. Où on va quoi? So where are we going? Where are we going? Yeah. I want to make the point. So, je veux faire le point. If we were to go from gender back to race. Si on peut passer maintenant du genre vers la race. And to make a point. Et de faire un point. Let's use skin color. En utilisant la couleur de peau. If we said black. Et si nous disons noir. And white. Et blanc. What's the difference? C'est quoi la différence? Pardon? The color, la couleur, la mélanine, hair. So you can say melanin. Mélanine. Mélanine. Small. Il y en a peu. Alors on a dit hair also. Hair. Yeah. So some of you. Certains d'entre have vous. Have hair fibers that are more flat. Vous avez des cheveux qui sont plats. Makes curls. Et ou bien qui sont curly, frisés. It's the only difference. C'est la seule différence. Brother Oscar. Oscar. La quantité de mélanine pour tout être humain est la même. So the quantity of melanin for each individual is the same. La seule chose qui change, c'est la disposition au niveau de la peau. So the only thing that's changing is the disposition on the skin. Yeah. Okay. It's the same. It's the same quantity. But it's the same quantity. Okay. I didn't know that. Je savais pas. Oh, It is not true because we can see it straight away. Pendant la guerre du Vietnam, justement, a fait la différence parce qu'effectivement, ils se sont rendu compte que les militaires qui avaient le colère en fait avaient plus de problèmes de peau à cause des parasites. Ah, pardon. Donc, during the second Vietnam War, the military, US military, they have a lot of skin problems. Because of what? Parce qu'ils ont eu des problèmes de peau, parce que quoi? À cause des parasites. Because of the problem of melanin and parasite. I go out into the sun.
Je vais difficilement au soleil. I'll have much more problems than you will. Parce que j'aurai beaucoup plus de problèmes que toi. Reminded of that constantly. Donc je me rappelle de cela tout le temps. Okay. So outside of a superficial covering. Alors en dehors donc d'une couverture superficielle. What's the difference? Quelle est donc la différence? There is none. Il n'y en a pas donc. Outside of the difference of childbearing. Hormis la différence de fait de porter des enfants. No one here is given an argument where men and women are different. Personne ici n'a pu donner un argument pour dire que l'homme et la femme sont différents. And we all see that. Nous le voyons tous là. So if we're going to handle this issue, donc maintenant, s'il nous fallait donc porter ce problème, it makes sense, ça aurait du sens, that we're going to compare and contrast, que nous allons donc comparer et contraster, race and gender, la race et le genre, from the beginning, à partir du commencement, all the way from Eden, on va commencer à partir de l'Eden, through Noah, Noé, through multiple dispensations, et à travers plusieurs dispensations. And is there any one of the dispensations? Et s'il y a une dispensation? That from 1989. Depuis 1989. Any one of us would want to go back to? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait donc retourner dans cette dispensation? When it comes to race. Quand cela porte sur la race. Non? So Ellen White says. Donc Ellen White a dit. Segregate. Il faut faire de la ségrégation. Don't intermarry. Il ne faut pas se marier interrace. Do not make any effort. On ne doit faire aucun effort. Under any circumstances. Dans aucune circonstance. To make black and white equal. Pour faire que les noirs et les blancs soient égaux. She says that. Elle l'a dit. She also says. Elle a aussi dit. Women. Les femmes. Don't try to vote. N'essayez même pas de voter. Don't make any effort. Ne faites aucun effort. To make men and women equal. Pour rendre les hommes et les femmes égaux. Black people. Les personnes noires. Be comfortable with your place. Soyez à l'aise là où vous êtes. Women. Les femmes. Be comfortable with your place. Soyez à l'aise là où vous êtes. Is that place the correct place for a black person to be? Et est-ce que ce lieu c'est un lieu correct pour que l'homme noir soit? In 1890 America. En 1890 aux États-Unis. No. Non. So compare and contrast. Donc maintenant comparer et contraster. Race and gender. La race et le genre. If we can't go back to the time of Abraham. Et si on peut pas retourner à l'époque d'Abraham. To understand race. Pour comprendre le problème de la race. We can't go to that history. Nous ne pouvons pas donc aller dans cette histoire. And take their treatment of gender. Et prendre le traitement du genre. We can't go back to the time of the original glorious. On ne peut pas retourner à l'époque du pays glorieux d'origine. We're already breaking half of their rules. Nous avons déjà brisé la moitié de leurs règles. Without even thinking about it. Est-ce que vous y avez pensé? Because we already accept that they make no sense. Parce que nous avons déjà accepté que cela n'a pas de sens. Makes no sense that women aren't priests. Ça a aucun sens que les femmes ne puissent pas être des prêtres. And other races should be slaves. Et que une autre race doit être esclave. We reject them. Nous les avons rejetés. Without even thinking about it. Nous n'y pensons même pas. And then we come into the modern glorious land. Et après, on arrive dans le pays glorieux moderne. And we see race and gender. Et là aussi, nous voyons le problème de la race et du genre. And whether or not I want to vote or not. Et que je souhaite voter ou pas. I believe I have every right to. Je crois que j'ai des droits pour le faire. Does any woman in this room feel differently? Est-ce qu'il y a des femmes dans cette assemblée qui pensent différemment? No. Non. So we don't go back to her time. Donc nous retournons pas dans son époque. And accept their standard of race and gender. Et en acceptant donc ces déclarations sur la race et le genre. We take both into a new dispensation. Nous prenons ces deux problèmes race et genre et nous les amenons dans une autre dispensation. And when we come into ours. Et quand on arrive dans notre dispensation. We find with race. Nous sommes face au problème de la race. Obama. Avec Obama. No difference. Il y a aucune différence. Leader of the free world. C'est le dirigeant
gens du monde libre. And it's a test. Et c'est un test. For the southern states of America. Pour les États du Sud des États-Unis. And their method of Bible interpretation. Et leur méthode d'interprétation biblique. And then it's a test. Et encore là, c'est un test. With Clinton. Avec Clinton. For the southern states of America. Pour les États du Sud d'Amérique. And their method of Bible interpretation. Et leur méthodologie d'interprétation de la Bible. It's a test for them. C'est un test pour eux. To test for us. Mais c'est également un test pour nous. To see. Pour voir. There is no difference. Qu'il n'y a aucune différence. Between black and white. Entre les noirs et les blancs. That isn't superficial. Et qui n'est autre que superficielle. The skin is the largest organ of the body. La peau c'est l'organe le plus grand de la du corps. On that level. À ce niveau-là. There's some differences. Oui, il y a une différence. Women. Les femmes. Men and women. Hommes et femmes. No difference. Il n'y a pas de différence. Other than some body organs. Hormis les organes du corps. Can we say that, or does anyone want to backtrack? Est-ce qu'on le voit tous, ou bien quelqu'un veut dire quelque chose et revenir en arrière? Yes. Agnès? En fait, ma difficulté. Ma difficulté. C'est que parfois on peut. J'ai déjà entendu certaines choses, mais je veux comprendre à quel moment, comprendre pourquoi Hélène Giroir dit oui et non, parce que finalement, on disait oui à tout ce qu'elle disait, et maintenant, il faut faire une distinction. Ah, j'ai pas bien compris ce maintenant, que tu dis. Il faut faire une non, distinction. Avant, pour comment Hélène Giroir dit oui et non? Juste ça, je te résume. Ok, vas-y. Avant... Personnellement, je croyais en tout ce qu'elle disait. So, before, personally, I was at first everything that Ellen White was saying. Mais ce que je comprends maintenant, c'est que ce qu'on doit voir différemment les choses. So, what I understand now is that we have to see differently her writings. Et c'est ça un peu ma difficulté, parce que je ne saurais pas voir à quel moment que... C'est bon ou c'est pas bon? This is my difficulty because I don't know how I can know now when it's good and when it's not good. So when she says. Donc quand elle dit. That it's a waste of money and fanaticism. Que c'est une perte d'argent et du fanatisme. To buy a bicycle. De d'acheter une bicyclette. How do you read that? Comment tu lis cela? I don't understand why she says that, in fact. She makes some strong statements. Elle fait de fortes déclarations. About how people are wasting money. Sur la façon dont les personnes donc gaspillent de l'argent. How it's a sin. Et cela est lié à un péché, elle to dit. To be wasting money on this new craze of bicycles. De gaspiller de l'argent sur ces bicyclettes. So it will have been also true for over the thing. Pas spécialement pour les vélos. Not especially for a bicycle. So you don't want to apply that today. Alors tu veux pas appliquer cela aujourd'hui? Mais le point c'était sur comment on utilise l'argent. But the point is how we use the money, no? Ça veut dire aujourd'hui, avant c'était peut-être les vélos. Maybe before it was a bicycle. Aujourd'hui, c'est les voitures. Oh, today it's cars. Elder Paminde. The question is that Sister Alice says she no longer knows how to read. Maintenant, Agnès, la question d'Agnès, c'est qu'elle ne sait plus maintenant comment lire. I think the answer is to read sensibly. La réponse est de lire sensiblement, avec raison. The question was. I don't know what's right and wrong anymore. La question est, je ne sais pas ce qui est bon ou mauvais maintenant. And that's because many of us have not read intelligently. C'est parce que la majorité d'entre nous n'avons pas lu avec intelligence. We are subtly being controlled by our own society. Nous sommes subtilement contrôlés par notre propre société. And when we read, et lorsque nous lisons, we do not read objectively. Nous ne lisons pas avec objectivité. So when Ellen White says the issue of race is important. Quand Ellen White dit que le problème de la race est important, we just ignore that. Nous ignorons cela. Without thinking about why we've changed our position. Sans réfléchir sur la raison pour laquelle nous avons changé notre position. But we've taken other portions of her writing. Mais nous prenons d'autres parties de ses écrits. Again, without thinking. Or, de nouveau, sans réfléchir. And are at a place today that they
that we think they haven't changed. Et nous sommes arrivés à un moment aujourd'hui dans notre époque où nous pensons que ces déclarations n'ont pas changé. And that's the difficulty. Et c'est ça la difficulté que, dont nous faisons face aujourd'hui. That they're not reading consistently. Parce que ces déclarations ne sont pas lues avec cohérence. It's not about her writings are right or wrong. Ce n'est pas, la question ne porte pas sur le fait si ses écrits sont bons ou mauvais. The problem is we haven't, no one has shown us that we read inconsistently. Parce que personne le fait, c'est que personne nous a montré que nous ne lisons pas avec consistance ou avec cohérence. It's not that we read incorrectly. Ce n'est pas que nous lisons incorrectement. It's the inconsistency that's the problem. C'est l'incohérence qui est le problème. We approach the same subject. Nous abordons le même sujet. Differently. Différemment. And we come up with different answers. Et nous venons avec différentes réponses. So if I were to ask people, si je devais poser à des gens, if you go to the field of science, si vous allez dans le champ de la science, if we were to assume that half of the world is, we'll just use the word black. Si on devait affirmer que la moitié du monde était noir, why not half the scientists in the world black? Alors pourquoi les plus grands scientifiques du monde ne sont pas noirs? The obvious answer is black people aren't as clever as white people. Parce que la réponse évidente, c'est, ce serait que les personnes noires ne sont pas aussi intelligentes que les blanches. It's obvious. C'est évident. So why do we not accept that premise? Alors pourquoi nous n'acceptons pas cette idée? Because when you go to the field or the realm of women, parce que lorsqu'on va là dans, sur le terrain de, le, de la femme ou du rôle de la femme, and you ask the same question, et que nous posons la même question, we find that acceptable, nous trouvons cela acceptable, that women aren't as clever or as capable as men, que les femmes ne sont pas aussi intelligentes ou capables que les hommes. We've got the same issue, but we approach it inconsistently. Nous avons le même problème, mais nous l'abordons de façon incohérente. It's not that we read wrong. Ce n'est pas que nous lisons mal. We have the facts in front of us. En fait, nous avons en face de nous. But we're approaching these two subjects in a different way. Que nous abordons ces deux sujets, race et la femme, de façon so différente. Always come up with different answers. Donc nous allons toujours aboutir avec des réponses différentes. I think that's what people are struggling with. Et je pense que c'est sur ce sur quoi les personnes luttent. Brother at the back. JB. Merci. Par rapport justement à l'esclavage. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on pense esclave, on pense noir. Okay, regarding the slavery, it's true today when we think about that, we think black people. Mais considérons ces époques, dans la Constitution, l'esclavage, comment dire, n'était pas dans leur texte de loi. So at this time period, the slavery was not in their constitution or laws. Que ce soit en Europe, ou en Amérique. Either in Europe or America. Sachant justement que les Américains sont des citoyens européens. Knowing that the Americans are coming from Europe. Donc effectivement, l'esclavage, comment dire, la Bible en fait a été un prétexte pour instituer l'esclavage. So the Bible was a pretext to put in place slavery. D'ailleurs, lorsqu'on libère à l'esclave, on dit bien qu'il est affranchi. So when we freed, we give the freedom to a slave, we say that he's affranchi. It's free. I don't know the word. It's like he's free. Ça prouve bien effectivement le fait que l'esclavage avait un point de fin à l'époque de Charlemagne. So that means that the slavery was the ending point at the time period of Charlemagne. Voilà. Et donc, en ces périodes-là, l'esclavage n'était pas black. And at this time period, slavery was not upon black people. Elle touchait la majorité blanche. It was touching mostly the white people. Voire n'importe quelle personne. Or any person. When they discuss slavery in the south, quand ils ont discuté de l'esclavage dans le sud, they trace it back to Noah. Ils l'ont retracé à l'époque de Noé. And the genealogy of the sons. Et la généalogie de ses fils. I'm pretty sure they make the argument. Je suis quasiment sûr qu'ils ont dit le point. That they're enslaving the same people, at least on that level.
qu'ils ont mis en esclavage les mêmes personnes au niveau, à ce niveau-là au moins. Sister Agnes. Agnes. The question about bicycles. La question sur la bicyclette. The point I was making. Le point que je faisais. Is that you do read correctly. C'est qu'on lit correctement. When it comes to bicycles. Quand on, il s'agit de, du vélo. The fact that Elder Parminder brought out. Le fait que ce de, que Parminder a fait. Is the problem with consistency. C'est le problème avec notre cohérence et notre consistance. The same way we read Moses. La même façon dont nous lisons Moïse. Or Abraham. Ou bien Abraham. Or we read about the New Testament. Ou que nous lisons au sujet du New Testament. Paul's writings. Les écrits de Paul. We're all reading them. Nous les lisons tous. Correctly. Correctement. But not consistently. Mais ne, mais pas cohérent. So Paul says. Paul dit. Going to tell Onesimus to go back to his slave master. Il dit à Onésime de retourner vers son maître. I think most of us think we would never do that. Et la majorité d'entre nous, nous pensons que nous n'aurons jamais fait cela. But we understand their dispensation. Mais nous comprenons les dispensations. And we need to see Ellen White. Et il nous faut voir Ellen White. The same way. De la même façon. In her dispensation. Dans sa dispensation. Instead, I think we can make her our day. Au lieu de, la, de prendre ces écrits pour les mettre applicables dans notre époque. And I would argue, et je dirais, most of conservative Adventism, la majorité des adventistes conservateurs is living in her day. Vivent à l'époque d'Ellen White. They're living as if it's 1888. Ils vivent comme s'ils sont en 1888. And when they do that, et lorsqu'ils font cela, they think just like the Protestants, ils pensent, ils raisonnent de la même façon que les protestants. Of today. D'aujourd'hui. I think all the same issues that we have today must be the same as 1888. Ils pensent que les mêmes problèmes que nous faisons face aujourd'hui doivent être les mêmes de 1888. But they don't read sensibly. Mais ils ne lisent pas avec bon sens. So if they see bicycles, they know. Donc quand ils voient les vélos, ils savent. To take that as her dispensation. De prendre cela et de le mettre dans la dispensation. And find a principle. Et de trouver le principe. You find a conservative Adventist. Si vous trouvez un adventiste conservateur. And ask them how they should dress. Et leur demander de quelle façon ils doivent se vêtir. What are they going to say? Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Like Ellen White. They're going to go back to Ellen White's day. Ils vont revenir, retourner à l'époque d'Ellen White. Take all her quotes. Et prendre toutes ses citations. Make themselves 1888 history. Et les mettre dans l'histoire de 1888. They won't do that with bicycles, but they'll do that with dress. Ils ne vont pas faire ça avec le vélo, mais vont faire ça avec le vêtement. To come back to the differences between male and female. Souvent, lorsqu'on parle de ces, de, du rapport des hommes et des femmes, que les hommes et les femmes se complètent, sont complémentaires. So I have remarked because we often hear that men and women are complementary. La plupart des réponses qu'on a lorsqu'on parle de ces sujets, ça revient souvent, l'homme et la femme sont complémentaires. When we are discussing about this topic, this is an argument that coming up often, men and women are complementary. Est-ce que c'est tendancieux de penser comme ça? Ou est-ce que c'est une réalité? J'aimerais avoir ton avis. I would like to have your opinion. Is it is it correct to think like that or not? This book I was quoting from. Et ce livre que je citais. It's from the south. En provenance du sud. Says our society is complementary. Disait que notre société était complémentaire. Black people are happy in their sphere. Les personnes noires étaient contentes, satisfaites de leur sphère. They wouldn't be happy free. Et si elles étaient libres, ces personnes ne seraient pas contentes. They're worth the same in the eyes of God. Et elles sont le même dans aux yeux de Dieu. But when it becomes specific roles or job functions. Mais quand on là il s'agit de rôles particuliers ou de postes. White people are here and black people are here. Les hommes, les personnes blanches sont là et les personnes noires the sont whole Southern society et toute la société du Sud works in a complementary fashion. Travaille, opère d'une façon complémentaire. Because they say though they're equal in the eyes of God, parce qu'ils disent qu'ils sont égaux aux yeux de Dieu. Their brains are different and they're not as smart. Mais leur cerveau est différent, mais ils ne sont pas aussi intelligents. And if we made them equal, they'd fight too much. Et
si on les met en égalité, ils vont trop se battre. So we should keep them down here. Donc il faut les maintenir en dessous. And society, to them, et la société pour eux looks like something beautiful. Semble être quelque chose de merveilleux pour you eux. Wouldn't be happy with that. Mais nous ne nous serons pas heureux avec ce système. Their society ran well. Leur société marchait bien. The economy did well. Leur économie était florissante. Their families did well. La famille aussi. Was well structured. Elle était bien structurée. They would say. Et ils diraient. The races were complementary the way God made them. La race était complémentaire par rapport à la façon dont Dieu les avait fait. I would say. Je dirais. Make the exact same argument with gender. On donne le même argument ou même idée par rapport au genre. We say equality. Nous disons égalité. But. Mais. Different organs. Différents organes. God set them up. Dieu les a établis. And women and men. Et l'homme et la femme. Work like this. Était comme ça. So every time you get into a conversation with someone. À chaque fois que vous avez une discussion avec quelqu'un. They'll say equal. Ils vont vous dire, ok, on est égal. But separate. Mais séparé. And I keep saying. Et je n'arrête pas de dire. You're going to do this. Si vous faites cela. Don't include equal in your sentence. Alors n'intégrez pas le mot égal dans votre phrase. Because this is not equal. Parce que ce modèle-là, ça en dessous, ce n'est pas égal. It isn't equal with race. Ce n'est pas égal avec la race. And it isn't equal with gender. Et ce n'est pas non plus égal avec le genre. And the argument with race. Et l'argument avec la race. That is, if they were like this. C'est que s'ils sont comme ça, égal. They might fight. Donc ils vont peut-être se battre. It's not a good enough excuse for slavery. Et ce n'est pas une excuse valable, suffisamment valable pour justifier l'esclavage. People should just be nice. Les personnes doivent juste être gentilles. And I'd say the same. Et je dis la même chose. For men and women. Pour l'homme et la femme. So we'll stop because we're out of time. On va s'arrêter parce que nous sommes hors temps. But I want to highlight the point. Mais j'aimerais souligner le point. The only differences that we've been given. Que les seules différences que nous avons données. Are some superficial body organs. Sont des idées superficielles sur les organes physiques. If you kneel with me, we'll close in prayer. Est-ce que vous pouvez vous agenouiller pour la prière? Dear Father in heaven, cher Père Céleste, thank you for our blessings. Merci pour tes bénédictions. Thank you that you work to restore. Merci que tu veux nous restaurer. I pray that we'll understand. Je prie que nous puissions comprendre. Both how to read inspiration. À la fois comment lire l'inspiration. With consistency. Avec cohérence. But may we also see the external events. Mais que nous puissions voir aussi les événements externes. That are churning up around us. Qui se déroulent autour de nous. We see the horror. Nous voyons les horreurs of what nationalism is doing. De ce que fait le nationalisme. We think of the latest gun violence, gun shooting, mass shooting. Nous pensons que là c'est dû au fait d'avoir des armes. Nous pensons à la dernière tuerie en masse. Ah ok, merci. Where differences in race. Nous sommes différents, les différences dans les races. Have caused so much death and suffering. A causé tant de souffrances et de morts. And abuse. Et d'abus. May we not think in these ways. Que nous ne puissions pas penser de cette façon. May we remove nationalism from our thinking. Que nous puissions ôter le nationalisme de notre pensée. See ourselves as one people. Et nous voir comme une seule personne. Each person. Chaque personne. Has superficial differences. A des différences superficielles. Regardless of race. Sans nous préoccuper de la race. Regardless of gender. Sans nous préoccuper du genre. We're equal. Nous sommes égaux. I pray that we'll see as you see. Et je prie que nous puissions le voir de la même façon que toi. We pray that you'll bless our day. Et que tu puisses nous bénir notre journée. As we think about these things. Alors que nous réfléchissons sur ces choses. Guide us into a right understanding. Guide-nous dans une bonne compréhension. Pray this in Jesus' name. Je prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen.